Bonjour. Je savais pas que j'avais un clone qui me ressemblait tant physiquement. D'où tu sors? Moi, je savais pas que j'étais pas unique au monde. En même temps, il y a un truc qui me rassure, c'est que je vois ce que j'aurais pu être. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Déjà, ce que je voudrais savoir, c'est qui est ta mère? Je m'appelle Anna. Ma mère, une simple génitrice. Rien de plus. J'ai été élevée par des aigles violacés. Et tu connais l'histoire? Non, tu la connais pas. Mais c'est un peu pareil, sauf que moi, c'était avec des loups. Je suis comme une petite fille qui tournoie dans les airs. Qui se balance de bas en haut dans un ciel de soie. Je suis sur une balançoire au jardin du Luxembourg, colorée d'un de ces verts foncés presque intrépides. Et par la pensée, je te vois entre bleu et haine. C'est bizarre. Touche-la. On a quatre mains. On n'est qu'une. C'est bizarre. Ta main ressemble vraiment à la mienne. La même forme, la même rosace. Est-ce que je peux toucher ton visage? Tu aurais pu, tu sais, Sestra, tu aurais pu toucher mon visage. Sestra? J'ai rêvé un jour d'une phrase. Tu m'enrubannes et m'embryonnes. Touche-le, touche mon visage. Non, il y a des choses dont je suis incapable, que je suis incapable de faire. Incapable. Mais si tu veux, enrubannons-nous par le biais de nos âmes. Je t'appelle sœur à ma manière. Je dois te dire quelque chose. On a été en sommeil artificiel forcé pendant 57 ans. On est actuellement en 2078. Mais on est dans quoi là? J'ai jamais été en sommeil artificiel. Jamais. Calme-toi, mon seul lien contigu. Je vais te dire quelque chose. On n'est pas des jumelles. On est des clones. Et on est au nombre de 15. 15? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, moi je m'appelle pas Anna. Je m'appelle Solange. Je suis un kaléidoscope doré. Je suis un coquelicot dont on aurait retiré les pétales. Je suis même une barre asymétrique. Je suis même l'enfant bleu, je suis même l'enfant du chaos, ce que tu voudras. Je suis mortifère. Je suis vivante aussi. Et puis, j'ai enfanté. On ressent un peu les mêmes choses alors. J'entends ton cœur battre, sans les pulsations. Je suis venue ici pour t'extraire, étant complètement détruite. Et j'entends tes pensées par télépathie. Mais qu'est-ce qu'elles disent, mes pensées? Elles disent précisément
Aidez-moi, sauvez-moi. Je suis en train de mourir, je meurs. Je pense que c'est ça. Comment tu sais ça? Ouais, c'est ce que mes pensées disent, ouais. Parce que je sens que je suis morte. Oui. Toutes les deux.